Sabha smu rabbika al-a'la. Il admire la lune pleine et bienveillante, allongée sur la prairie sombre et accueillante. Son esprit s'envole dans l'azur supérieur, convoitant ses pépites lumineuses. C'est un orpailleur. C'est l'aîné l'entraîne dans une ronde incroyable qui dissipe cette pensée coupable. Dieu, que veux-tu ? Puis, revenant de la circonvolution, revêtu de l'argument, il récite deux versets pieux. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, glorifie le nom de ton Seigneur, le très élevé. Puis il enchaîne dans une extase avivée. Celui qui harmonieusement a créé et accordé, qui a déterminé et guidé, et qui a fait pousser le pâturage. Il souffle puis, sa main caressant le soyeux pacage, et en a fait ensuite un foin sombre. Sur la terre endormie, l'astre nocturne projette ses ombres, qui lui font comprendre d'une idée le langage mystique des choses dissimulées. Il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché. Louange à celui qui les voiles a écartés et arrachés. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle donc où le rappel doit être utile. L'heure approche et la lune s'est fendue. Beaucoup ont cherché, mais personne n'a vu. La souffrance guette, car que dira-t-on de ce vaniteux, fêtant la grande année de mes temps.